俺たちは生きるさ。生きてアテナを守んだよ。さっさとかかってこいよ、金メッキ。逃げたりしない。覚悟を決めたんだ。おざん勝利よ。あいつらの道を切り開け。少年たち、コスモを燃やせ。地上の愛と平和を守るために。セイヤ君、ペガサス流星拳。セイントセイヤレジェンドオブサンクチュアリ、究極まで高まれ俺たちのコスモよ。Salut à tous et bienvenue dans ce Bacast Mini. Bonjour tout le monde. Comment tu vas, Alpo? Ben ma foi, ça va plutôt pas mal. Et toi? Ah bah ça va toujours, toujours quand je te vois avec moi. Il va bien, on va bien, vous allez bien? Tout va bien. Allez. Enfin, je vais bien. On va quand même parler d'un truc trop stylé. Là, trop bien. Chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, là. Senseiya, The Legend of the Sanctuary. Donc, la légende du sanctuaire. Chevalier du Zodiac. Donc le film qui est sorti récemment. Et donc, on fait la clinique. On fait la clinique, oui, parce qu'après l'avoir vu, les gens ne vont pas bien. La chronique, donc on l'a fait un petit peu tard, c'est fait exprès, c'est pour pouvoir spoiler. Hein. Comme ça, les gens, ils ont pu aller le voir. C'est vrai que c'était fait exprès. J'étais pas au courant. Non, mais oui, c'est fait exprès. Ils ont pu aller le voir au cinéma, et comme ça, du coup, on peut rentrer vraiment dans creuser peut, le biftec. On peut aller dans le fond, hein, un petit coup d'armure. Alors, si vous voulez voir une critique, hein, plutôt élégante, classe, raffinée, vous pouvez aller sur le site Cinéphase où j'ai fait une critique écrite du film, et vous avez tout mon ressenti. Et maintenant, en fait. Tout son ressentiment aussi. Je vais confronter mon avis. Hein, qui est purement objectif. De merde. Non, parce que j'adore cette série, bien sûr. Senseiya, c'est mon enfance, c'est mon adolescence, c'est mon âge adulte. Le mec c'est ultra objectif, du coup. Voilà. Avec Kevin, enfin Alpo, merde, j'ai dit ton vrai prénom. Non. Merde, tuez-les. Faut pas qu'ils entendent. On rigole. Donc, lui qui... Tu sais que je vais perdre toute crédibilité. A regardé Senseiya quand t'étais petit, hein. Oui, c'est alors ça. Que t'avais pas encore beaucoup de poils, et puis c'est tout. C'est ça, mais j'en ai toujours pas beaucoup, du coup, c'est pas, voilà, ça veut pas dire c'est grand pas avec Senseiya que t'arrives à avoir des poils. Non, pas vraiment. Bon. Donc, mon cher amour. Oui. Qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Eh bien, mon cœur, c'est un film... Oh, il a des problèmes. Mais on va dire que c'est une coquille vide extrêmement belle. On va dire ça comme ça, c'est-à-dire que c'est super beau à regarder. Par contre, dès qu'on creuse un peu, ça fait de l'écho, quoi, tellement c'est vide. C'est-à-dire? En fait, l'histoire est pas ouf. Après, en même temps, hein, essayer d'adapter un truc qui fait quoi, 80 épisodes, ça. En une heure et demie de temps, ça relève soit du défi, soit de la bêtise. Je rappelle que le film, en fait, est une sorte de remake en 3D, donc, la saga la plus connue de Senseiya. Alors, ça fait pas tout à fait 80 épisodes, parce que 80 épisodes, c'est toute la partie avec les... C'est tout le sanctuaire, donc aussi tout ce qui se passe avant les 12 chevaliers d'or. Oui, c'est ça, donc en fait, alors que ça n'est pas du tout présent dans le film. Donc, c'est vraiment que les chevaliers d'or. Ce qui est présent dans le film, c'est quand même l'introduction des personnages. Oui, qui était fait avant. Oui, donc, d'accord, mais bon, voilà, bref. Bon, ok. Et donc, le film, en fait, le producteur voulait que ça fasse 2 heures. Oui, ça aurait peut-être dû. Hein. Et l'auteur, donc Masami Kurumada, lui ne voulait pas que ça fasse 1h30. Non. Il s'est dit, quitte à faire un nouveau truc, autant que ce soit caca comme le reste. Non, mais donc, Kurumada, de toute manière, il ne faut pas le mettre dans la production des animés. À chaque fois, c'est nul. À chaque fois, c'est pas bon. C'est quand tu vois qu'il a un peu flingué aussi, enfin, un peu... Je dis pas que c'est que lui, mais les Elysium et les chapitres Inferno, je veux dire, en animé, c'est indigeste, quoi. Pourquoi il n'a pas gardé le cast de la première saga de Hades? Peut-être parce qu'il a eu qu'une seule bonne idée dans sa vie. Est-ce que c'est le George Lucas de l'animation? Je ne sais pas. Après, tu vois, Toriyama aussi revient sur les films, sur la production d'animé, et je trouve pas ça génial. Moi, je préfère quand c'est des mecs qui se dédouanent un petit peu de la saga, enfin du manga original, et puis qui s'éclatent. Enfin bref, donc, l'histoire. T'as aimé quand même ou pas? C'est bien en fait, condensé? Oui, non, c'est pas bien condensé parce que ça va trop vite, quoi. Enfin, on est censé avoir les 12 chevaliers d'or, on est censé nous expliquer plein de choses du pourquoi ça arrive à Athéna, pourquoi machin, etc. Au final, on a que le tiers de la moitié des explications à chaque fois, et si on connaît pas du tout la licence, on ne comprend rien. Enfin, Athéna, elle se prend une flèche, on fait « Ah, qu'est-ce qui va lui arriver ?» Tout le monde s'en fout, tout le monde l'oublie. J'ai envie de te dire, oui, mais comme le film, en fait, il transgresse énormément de codes de Senseiya, tout le monde dit que c'est pas un film pour les fans,
Du coup, c'est un film pour qui? Non. Alors, c'est le problème, en fait. C'est que c'est un film qui va s'adresser plus généralement aux jeunes, aux jeunes, entre guillemets, à ceux qui ne connaissent pas la Sega. Parce et que, aux jeunes, ça se veut... aux ados. Hein, oui, oui, mais quoi, la série va être transformée pour être un peu plus moderne, un peu plus... Voilà, parce que maintenant, ils ont des armures avec des morceaux qui bougent et tout. Tout est contenu dans des médaillons. Non, mais les casques, ça, c'est la grosse pilule pour dire « Ah, ça nous fait chier d'animer les personnages. » Alors franchement, moi, je trouve ce truc de casque et tout, je la trouve stylé. Mais les non, armures sont trop classe. Mais bref, cachère, on en revient Senseïa, quoi. À l'histoire, oui, c'est l'histoire qu'on parlait et à qui ça s'adresse. En gros, pour moi, ça s'adresse à ceux qui ne connaissent pas la Sega, mais le problème, c'est pas un problème en rapport avec Senseiya dans ce film. Le vrai problème, c'est un problème de scénario. Genre, on essaye de faire tenir un scénario de 60 épisodes ou 50 épisodes en une heure et demie, ce qui est pas possible, en fait. Quand on regarde un peu les timings du temps que ça prend, c'est pas possible. Mais ils essayent quand même, ce qui fait qu'on n'a pas toutes les explications, il nous manque des choses, et la moitié des choses, bah, on n'en voit pas le bout. Et c'est ça le vrai problème en fait, c'est pas le souci qui vient pas de clairement. Normalement, il y a 12 maisons de chevaliers d'or, ok. Déjà dans la base, il y a deux chevaliers qui sautent, hein, d'accord, oui, la oui, balance, oui. Le sagittaire. Par contre, il y avait quand même des épreuves quand ils arrivaient dans ces maisons-là. Oui, oui, oui. Là, c'est pas que ça qui saute, c'est pas que ça. Non. Il y a Shaka, donc le chevalier de la Vierge, qui est peut-être l'un des plus... les chevaliers des plus iconiques, badass, quoi. C'est, voilà, c'est le chevalier qui en impose énormément par... on va dire sa pureté, non, mais surtout la classe de ses coups, de ce qu'il représente, le combat qu'il a contre Ikki, oui. De base, c'est un combat merveilleux où il coupe les sens et tout ça. Il y a vraiment une grosse ampleur dans ce combat, ah oui. C'est poignant. Et bah là, les mecs, Shaka, il est zappé. Il est zappé complètement. Le problème, c'est que si on avait des combats comme ça, en fait, il y aurait deux combats dans le film, c'est tout. Bah on n'aurait pas le temps de mettre autre chose. Moi, toi, je pense qu'ils perdent trop de temps. Avec des futilités. Par exemple, au début, déjà, ils mettent un... J'aime beaucoup la scène d'intro, mais après, ouais. Dès qu'on passe à Saori, oui. Cette gourdasse qui arrête pas de faire... Voilà, c'est son scénario. Elle dit rien d'autre. Je suis pas tout à fait d'accord. Arrête, non, je trouve qu'elle a un peu... Je trouve qu'elle a des balls. Quoi ? Au départ, mais c'est t'as une vu cette vue. Fin ? Cette fin, elle parle à tout le sanctuaire. Elle dit « Ah, mais en fait, je suis personne et je vais essayer de faire le mieux, au mieux, tout ça. » Alors que c'est des mecs qui en ont chié grave pour avoir leur armure. Ils s'en foutent d'être dirigés par une gonzesse comme ça. Non, ils veulent une badass. Et ça ne l'est pas du tout. Hein. Elle n'est pas du tout badass. Non, elle n'est pas badass, en fait. Mais juste, elle prend... Non, je trouve que ça va, en fait. C'est pas ouf. Mais après, je considère que le standard du film est assez bas. Hein. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à rien. Ouais. Du coup, j'ai pas eu grand-chose qui m'a pas étonné. Pourtant, c'est quand même une production haut de gamme. Hein. Oui. Animation. Ah, visuellement, oui. Mais c'est toujours pareil. Le problème vient pas de la technique. Le problème vient de la réalisation. C'est un peu ça, le souci. C'est que on a un truc creux. Mais le scénario dans Senseiya, c'est un scénario de Shonen Neketsu. C'est généralement pas très riche. Non, mais le problème... À part au niveau des personnages. Donc si t'enlèves les personnages, c'est s'ils pas sont ça creux, le souci. Mais c'est n'importe quoi. Le truc, c'est que tu reprends un scénario de Shonen Neketsu avec des persos qui vont devoir passer par beaucoup d'épreuves pour devenir plus forts, etc. Là, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des chevaliers de bronze, ils arrivent, ils font LOL, tu as une armure en or, je te nique. Pourquoi? Comment ça se passe? Il est où le délire? Donc du coup, ça a pas de sens. Et pourquoi? Parce que c'est un putain de scénario qui a rien à foutre dans un film d'une heure et demie. Donc à la limite, si encore on nous avait fait ça, genre en une trilogie, et que ça avait pris du temps, mais je dis pas en fait, mais le problème c'est que les films auraient tu été chiants. Même deux heures, une petite demeure qui laisse le temps à deux, trois personnages de, on va dire, se mettre un peu plus en avant, de créer un petit peu plus de mélancolie dans l'histoire, ouais. Parce que c'est de ça hein, qu'on parle généralement quand on parle de Senseiya, c'est des combats qui sont assez nerveux, mais aussi avec beaucoup de passion. Et là, il n'y a rien du tout, ça va super en vite. En fait, j'ai l'impression que c'est un clip d'une heure et demie. Quitte à trancher vraiment dans l'histoire, j'aurais préféré tu vois, qu'ils enlèvent carrément certains combats ou alors qu'ils changent complètement le rôle de certains personnages. Genre que t'en aies vraiment, genre que t'es, je sais pas, ils se rendent compte que, on vous explique en fait que dans le film, dès le début, qu'il y a Saori, donc qui est la vraie Athéna, ouais. Et qu'il y en a une fausse qui est au sanctuaire. En fait, j'aurais plutôt vu un truc genre... ils se rendent compte qu'il y a une vraie, du coup, t'as, je sais pas moi, la moitié des chevaliers d'or ou une partie des chevaliers d'or qui vont se mettre direct avec eux. Mmh. Et là, t'as un vrai gros affrontement avec tout le monde. Ouais, et pas juste, on va passer dans les maisons. Genre, les mecs, à un moment, ils font, ah là là, on va sauter d'une maison à l'autre. Les mecs sautent d'une maison à l'autre. Tu fais, mais pourquoi tu passes dans la maison, du coup? Enfin, ouais, comment ça se passe? T'as pas ce parcours éprouvant. Qu'il bref, doit y du avoir, coup, même. C'est pas assez long pour se permettre ce genre de choses. Et je me dis concrètement, s'il faut. Trancher dans l'histoire, autant changer plein de choses et ça aura déjà plus de sens et on va se retrouver avec moins de trucs complètement incohérents. Quoi. Enfin, mais regarde, la scène de fin,
elle dure quand même longtemps et ça te raconte un peu n'importe quoi. C'est plus du Final Fantasy, du Saint Seiya. Je veux dire, ils auraient pu couper un petit peu ça pour en rajouter un peu dans le film. Oui, mais ça le début là, enfin, je sais pas, mais quand les personnages ils arrivent, moi déjà il y a. Ils sont classe, moi je trouve ça bien. Ils sont classe, mais il y a un mec, j'ai envie de lui donner une baffe, c'est Seiya. Franchement, il a le caractère, t'as l'impression que c'est, oh tiens, les jeunes, ils sont comme ça, donc on va lui donner ce charisme un petit peu de foufou. Non, mais Seiya, il a le comportement d'un héros de shonen maintenant, des années 2010. Ah non, si, c'est une caricature, le mec, c'est une caricature. Non, mais tu prends des mecs, genre, typiquement, mecs genre Naruto, genre Natsu, Fairy Tail, en fait, c'est typiquement le genre de même mec, en fait, c'est les mecs qui font un peu les blagues, qui font un peu les cons, et qui sont plutôt badass. Et en fait, le rôle de Seiya dans le film, c'est ça. Et à la fin, c'est forcément lui qui sauve tout le monde. Ah, peut-être que je suis trop arrêté. Déjà, j'aime pas trop Seiya de base. Donc, toi, moi, j'aimais bien le fait qu'il ait un petit charisme supplémentaire. J'étais pour que ça soit vraiment. Que le film revisite totalement la série. Comme tu le disais tout à l'heure, quitte à faire une nouvelle adaptation, autant vraiment la faire totalement différente. Mais finalement, moi, son personnage, il m'a agacé parce que c'est le seul qui est vraiment creusé. Qu'un, on va dire, un caractère. Les autres, c'est des suiveurs. Oui, bah en même temps, oui, c'est sûr. Alors du coup, moi, je rêvais que d'une chose. Ikki, le badass, le mec à trop la classe. On sait très bien qu'il va arriver et qu'il va sauver Sean au dernier moment. Continue de rêver. Sauf que c'est tellement pourrave. Oh, mais les amis. Et des films hein, d'une heure, on en a. Hein. Des films d'une heure de Saint Seiya. Abel est génial. Voilà. Il y en a cinq des films avant animés. Et à chaque fois, il y a des clichés qui reviennent. Mais du coup, c'est un petit bonbon, tu vois. C'est agréable. Et là, moi, j'ai l'impression que je me suis fait violer, mais toutes les 3 minutes. Sur des choses qui arrivent. Oh, bon, en tout cas, visuellement, oui, tu as raison. C'est... Visuellement, en fait, ça déchire. Enfin, et moi, c'est ça qui a fait en sorte que je n'ai pas passé un mauvais moment. C'est que je me suis pas fait chier. Il n'y a pas de grosse lenteur dans le film. En même temps, une heure et demie, avec tout ce qu'ils ont raconté, il aurait fallu quand même le vouloir pour mettre de la lenteur. Mais on ne s'est pas chier. Les combats sont cool, enfin les effets et les armures, moi je les trouve vraiment trop stylés. Ce petit côté genre, oui on a les armures qui sortent un peu type, comment ça s'appelle, le masque dans Les Gardiens de la Galaxie. Genre c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est une toute petite pièce et puis ça va se transformer en casque intégral et tout. Enfin, ça n'a en vrai aucun sens, mais c'est grave stylé visuellement. Ouais, tu sais, ce qui était bien avec la grosse armure, en fait, c'est la Pandora Box, c'était qu'il l'avait sur le dos et qu'il fallait se la traîner, il fallait le mériter. Ça, oui, mais ça n'a plus de sens. Mais non, ça n'a plus de sens. Et bah, dans ce cas-là, ça n'a pas de sens de faire un film. Non, par contre, si, on peut voir que les armures d'or, hein, c'est des grosses plaques en or. Hein, c'est-à-dire que tu peux mettre ça dans ta cuisine et tout, ça pète. C'est trop stylé. Non, mais ça vient à la limite de la magie maintenant, ça c'est pas. Oui, c'est ça, oui. Ouais, bon, en même temps, quand les mecs ont le cosmo de la mort qui tue et qu'ils arrivent à péter des murs avec leur énergie, oui, c'est vrai, donc tu te dis au point où on en est, est-ce que ça change. Au final, ça lui a permis d'aller plus vite pour ça. Par contre, moi, ce que j'ai adoré, c'était les impacts. Ouais. Les armures qui s'abîmaient au fur et à mesure. Ça représentait vraiment Saint Seiya. Visuellement, les combats sont vraiment puissants. Après, il y a des soucis dans certains combats, mais... Enfin, il y a beaucoup de combats où, en fait, t'es dedans, t'es vraiment dedans. Genre, ça pète dans tous les sens, il y a des murs qui éclatent, il y a des mecs qui volent à travers des pièces et tout, et c'est bien fait. Ouais. Donc non, là-dessus, on... Je pourrais reprocher visuellement ce que je reprochais un petit peu à Albator, même si Albator est carrément supérieur. Hein, oui, mais c'est pas... Mais toi, c'est pas le même genre. Non, effectivement. C'est que, à part les chevaliers, le reste, c'est pas très bien fait. C'est-à-dire, les personnages, par exemple, les humains là, qui font de la spéologie au début, quand ils arrivent, ça pique les yeux, mais c'est vraiment. Ouais, tu sens qu'ils sont... Bon, cette scène n'est pas très importante. Allez, hop, on va la faire vite. De toute façon, on l'a vu. Hein, le sanctuaire, ils l'ont mis quoi? Ils l'ont mis dans les nuages, hein, comme ça évite d'avoir à faire trop de décors. Hein. Moi, j'aime T'as bien les ça. Temples. Mais moi aussi, c'est j'aime beau, bien. J'ai c'est bien. Cool. On va mais avoir c'est un truc une manière. C'est un truc inavoué pour faire de l'économie de moyens, quoi. Genre, on va mettre du vent, des machins, et comme ouais, ça, on va pas trop se casser la tête. C'était surtout pour pas expliquer que le sanctuaire était sur Terre et qu'il fallait expliquer qu'il était intégré avec la vie du présent. Enfin, c'est. Donc, c'est finalement, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, vous, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. On lui a mis cher au film. Hein. Bah, pourtant, je croyais que t'avais aimé, tu vois. C'est... Ah, mais moi, j'ai passé un bon moment. Juste, il y a des vrais problèmes, en fait. Mais j'ai passé un bon moment. Je me suis pas ennuyé, pas comme sur DBZ. Bon, ça, on en reviendra à DBZ. Allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, à nous soutenir sur Tipeee. Ouais, et puis ça vous fait plaisir et ça nous fait plaisir. On vous embrasse.